Elle est là. Elle n'en est qu'au roast beef and your sharp pudding. Tendre le roast beef? Vous plaisantez? Inattaquable. Combien de temps pour réussir à le vaincre? 10 bonnes minutes. Eleanor, vous êtes un ange. Et vous un serin, Monsieur Campton. Vous vous décidez à lui parler aujourd'hui, oui ou non? Je ne peux pas. Et pourquoi? Vous savez qu'elle est presque française. Regardez. Alors? Oh, il n'y a pas de place. Pauvre Angleterre. Un report, il n'y a pas de sauce, hein? Merci, jeune homme, c'était pour moi. Et mon addition, mademoiselle? L'addition du monsieur, s'il vous plaît. Oh, j'en ai 3 avant lui, alors. Votre addition, monsieur. Oui. Oh, merci, vous êtes trop aimable. Madame. Désolée, Monsieur Campton, cette dame était là avant vous. Si j'osais, si seulement j'avais le courage d'oser. Je vous aime, mademoiselle, et vous ne vous en doutez même pas. Oh, mademoiselle, ne sentez-vous pas cette passion qui brûle à quelques pas de vous? Ça sent le brûler. Eleanor, fermez la porte de la cuisine, s'il vous plaît. Archibald, c'est fini maintenant. D'ailleurs, nous partons. Archibald, veuillez rendre ce soulier. Monsieur le directeur.
Monsieur Campton, vous êtes un collaborateur modèle. Je suis heureux. Heureux et flatté d'être de votre avis. Un collaborateur parfait. Oh! Quand vous lui faites l'honneur d'être à votre bureau! Bien entendu, monsieur. Quelle heure est-il, monsieur Campton? Minuit. Midi. Ma montre doit être arrêtée. Sans aucun doute, monsieur Campton. Et cela fait 6 mois que vous n'avez pas remise à l'heure. Il est exactement 14h13. Alors, dans ces conditions, il semblerait que je sois en retard. Vous étonnerais-je, monsieur Campton, en vous disant que notre établissement vous trouve beaucoup de personnalité. Mais regrette d'avoir à se priver de vos services. Merci. De rien, monsieur. Campton! Avant de nous séparer, je voudrais vous présenter votre successeur dans ce bureau. James W.C. Temple, mon neveu. Approchez. Très heureux, vraiment. Quelle heure est-il, James? 14h15. Et 35 secondes. Cher monsieur Campton, l'Angleterre est une île qui n'a rien à vendre que de la matière grise, du travail et de l'exactitude. James possède toutes les qualités de ceux sur qui repose l'avenir du Royaume-Uni. Alors, que Dieu protège la reine. C'est comme ça, hein? Eh bien, messieurs. Oubliez Harry Compton et dites adieu à Nicolas Milukin. Monsieur Compton! Connais pas! Vous pouvez demander mon visa pour la Russie. On vous a renvoyé? Comme d'habitude. Et vous savez qui prend ma place? Le neveu du patron, comme d'habitude. Comment le savez-vous? Je connais les mœurs capitalistes. Et même si je ne le connaissais pas, il n'y a qu'à voir votre tête. Vous aviez raison. Le fils de Serge Milukin n'a rien à faire dans cette île. Je m'en vais! Écoutez-moi, vous ne m'avez pas bien compris. La Russie soviétique est remplie de gens beaucoup plus compétents que vous et beaucoup plus utiles là-bas que vous ne pourriez jamais l'être. Vous êtes-vous regardé? Et alors? Et alors? Ce n'est pas la liberté que votre père a choisie quand il est venu en Angleterre. C'est l'amour. Oh, l'amour. Et l'amour a réussi au-delà de toute espérance. En voilà le produit. Vous êtes anglais, Harry Compton. Tandis que moi, vous me voyez avec ça sur la tête? Maintenant, regardez-vous. Nicolas Milukin est mort. Aussi mort que votre père. Vous n'irez pas en Russie. Si. Non, vous n'irez pas en Russie. Mais j'ai des projets pour vous. De grands projets. Non, vraiment non. Rien de tout cela ne me plaît. Depuis le temps que vous m'habillez, vous devriez savoir ce qui me va. Une élégance à la fois discrète et remarquable. C'est pas facile. Est-ce que je me fais bien comprendre? Mais où êtes-vous? Pearl! Clémentine! Je suis à vous! Vous m'avez abandonné, grand lâche! Hein? Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Oh, attendez, vous n'avez pas tout vu. Nous avons encore quelques petits modèles de Paris. Envoyez princesse! Robe du soir. J'espère pour vous que ce sera bien, mon petit Pearl. Vous allez voir, madame, c'est... Ah, Vincent! Alors? Vraiment très, très charmant. On peut voir de près. Mais je pense bien. Approchez, mon petit. Adorable. Tournez-vous, mon enfant. Ce côté-ci n'est pas mal non plus. Superbe. Qu'elle soit merveilleuse. Merveilleuse, mais pas très solide. Pardon? Qu'est-ce à dire? Tout à l'heure, en la passant, l'étoffe a craqué. On a même dû mettre une épingle. Mais voyons, c'est pas possible. Tenez, regardez si je mens. Je n'aime pas qu'on mette ma parole en doute. C'est bon, c'est bon. Allez. J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour ma loyauté, monsieur Pearl. Me plaît beaucoup, cette petite. Je prends le modèle. Dans un autre tissu. Il me faudrait aussi quelque chose de sport. Oui, un petit tailleur. En lainage. Vous avez ça? J'ai bien peur que oui. Vous avez vu ce que nous a fait cette fille? Je sens que je vais avoir ma dépression. Calmez-vous, Chic. C'est de ma faute.
Elle travaillait aux retouches, elle y était très bien. Pourquoi avoir voulu en faire un mannequin? Parce qu'elle est ravissante. Ravissante, mais idiote. Vous avez été très bien, Pénélope. Ces gens-là prennent de plus en plus de liberté avec leurs employés. Mademoiselle, vous êtes un obélisque de stupidité. Désormais, vous retournerez à l'atelier des retouches, c'est votre vraie place. Avant de continuer à me ruiner, cher ami, auriez-vous la bonté de me déposer à l'amirauté? Je ne vous savais pas si rapide, Donald. Je vous cherchais, sir. L'amiral vous attend. L'amiral? Lui-même, sir. Entrez. Entrez, Réginald. Comment allez-vous? Très bien, sir, je vous remercie. Parfait. Débarrassez-vous. Merci. Avez-vous suivi mes instructions concernant le dossier Avalanche? À la lettre, sir. Le dossier est enfermé dans mon coffre personnel à double tour. Oh, excusez-moi, j'oubliais de vous présenter. Inspecteur Cartwright de l'Intelligence Service. Sir Réginald Dunfray, chef de notre bureau D. Comment allez-vous? Réginald, savez-vous au moins ce qu'il contient, ce dossier Avalanche? Je préférerais ne pas le savoir, sir. À la moindre émotion, je fais de l'urticaire géant. Avalanche, c'est le plan de mobilisation générale des flottes de l'OTAN en cas de conflit mondial, tout simplement. Tout simplement. Non, merci. Votre coffre ferme bien. J'avais choisi la marque sur votre conseil, sir. Il y a 20 ans. Et votre personnel est digne de confiance, bien entendu. Irréprochable. Donc, selon vous, rien à craindre. En ce moment, ce dossier est bien chez vous, à Chelsea. Exactement, sir. Eh bien alors, mon cher Réginald, quel nom donnez-vous à cet objet? Avalanche. Avalanche. Je ne vous le fais pas dire. Mais ce n'est pas possible, Ne vous rongez pas les sangs, Réginald. Ce dossier est le vrai. Celui que vous avez chez vous est un faux. Un faux? Mais alors pourquoi cette mise en scène? Pour qu'on nous le vole. Le faux. Comment? Expliquez-lui, Cartwright. Depuis un certain temps, les Russes sont décidés par n'importe quel moyen à s'emparer d'Avalanche. Nous connaissons l'équipe chargée du travail. Ce sont de vieux amis. Nous n'allons pas les importuner. On pourrait nous les changer. Ce serait trop bête. Toutefois, le dernier maillon de la chaîne, l'exécutant, est un nouveau. Un nouveau, mais pas un inconnu. Joli garçon, non? C'est lui qui... Il ne le sait pas encore. C'est un gentil jeune homme, un peu exalté. Il ne va pas tarder à se présenter chez vous. Chez moi? Les Russes ne peuvent pas savoir que le dossier est à Chelsea. Ils le savent, Réginald. C'est pas possible. Je suis désolé, sir, mais quelqu'un trahit dans votre entourage. Dans mon entourage? Allons, Réginald. Nous avons aussi des gens à nous de l'autre côté, sir. Je connais les antécédents de Rutland et de Farrington. Nous aussi, figurez-vous. Écoutez-moi bien, Réginald. Il faut que ce document nous soit dérobé. Dans quel but? Il se passe une chose intolérable. Vous ne l'avez sans doute pas remarqué. Depuis 3 ans, nous n'arrivons pas à savoir qui est le numéro 1 de l'espionnage soviétique à Londres. Les services de l'armée, d'ailleurs, ne sont pas mieux renseignés. De tout temps, nous avons fort bien connu le personnage qui occupait ses fonctions. C'était généralement un homme charmant, avec qui nous entretenions des rapports courtois. Et depuis 3 ans, rien, c'est inadmissible. Or, voilà l'occasion rêvée. Ce jeune homme s'empare du dossier. Le dossier suit la filière, nous suivons le dossier, et nous faisons enfin la connaissance de ce personnage essentiel, mais un peu trop discret.
Oui, en somme, je n'ai qu'à attendre ce jeune... Compton. Harry Compton. Dans mon bureau, le dossier à la main. Réginald. Pardon, sœur. Non, Réginald, vous allez donner une grande soirée. Avec beaucoup de monde. Le vol doit être relativement facile. Rassurez-vous, les frais seront couverts par l'amirauté. Vous n'avez pas quelque chose, une date susceptible d'être célébrée? Il doit y avoir 20 ans que je suis marié. Eh bien, vous fêterez vos 20 ans de mariage. Et Lady Dunfray sera la première surprise et ravie. À propos, quand vous lui annoncerez la nouvelle, profitez-en pour lui parler du dossier Avalanche, à elle aussi. Voulez-vous laisser entendre, sœur, que vous soupçonneriez ma femme de... Non, non, Dieu m'est témoin. Mais convenez que Barbara a une fameuse langue. Et pour une fois que son bavardage peut servir la cause de l'Angleterre, profitons-en. Qu'est-ce qui se passe, Réginald? Je n'ai rien, sœur. C'est mon urticaire. Le cake est chez le pâtissier. Attendons livraison, amitié, oncle Bob. Tout est là. Mais vous avez de la famille en Angleterre? Vous ne m'en avez jamais parlé. Qui est oncle Bob? C'est la tante Fanny. Ah bon? Et la tante Fanny, c'est Jim. Derrière ces trois noms se cache un seul et même personnage, notre chef, qui est en réalité... Zut, le café. Qui est en réalité? K-26. Je n'en sais pas plus, je ne l'ai jamais vu. Et oncle Bob aime le cake? Énormément. Surtout si vous remplacez le mot cake par avalanche et le mot pâtissier par Sir Reginald Dunfray. Deux sucres? Trois. Bon, alors qu'est-ce que je dois faire? Il vous faut à tout prix vous introduire chez Sir Reginald, même de force. Avec un revolver? Non, avec un aspirateur. Voilà. Vous êtes le représentant démonstrateur de la maison Webb & Curtis. Si c'est nécessaire. C'est capital. Vous offrez cet appareil à laisser pour 8 jours gratuitement. Fonctionnement enfantin. Pas de prise de courant. Accumulateur ultra léger, pas de roulette. Une hélice maintient l'appareil à 1 cm au-dessus du sol. Multiples adaptateurs pour répondre aux aspirations les plus diverses. Regardez. Bon. À part ça, la mission est simple. Exploration de la maison, repérage des cachettes possibles, plan des lieux. Bien entendu, si le hasard permet que vous mettiez la main sur le dossier... C'est exactement ça. Vous pouvez compter sur moi. Bon, passons au rayon domestique. C'est certainement Rosemary, la femme de chambre qui viendra vous ouvrir. Elle est comment? Blonde, un peu bécasse. Alors là, il faut absolument que votre charme agisse. Comment ferez-vous? Bon, je sonne, elle m'ouvre. Et je dis, bonjour mademoiselle, seriez-vous intéressée par un aspirateur? Vous dites ça? Oui. Alors elle vous referme la porte au nez. Elle vous ouvre, vous la regardez, vous souriez, et vous lui dites « Bonjour, belle blonde. » « Bonjour, belle blonde. » Je ne pourrai jamais faire ça. Bonjour, belle blonde, je représente la maison Webb & Curtis. Bonjour, belle blonde, je représente la maison Webb & Curtis. Bonjour, belle blonde, je représente la maison Webb & Curtis. Bon... Vous désirez? Ah, Je m'appelle Harry Compton. Ce n'est pas de ma faute, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et vous voulez quoi, au juste? C'est pour un aspirateur. Désolé, il en vient 2 par journée, comme vous. Comme moi, c'est impossible. La maison Webb & Curtis, vous savez ce que c'est? À vrai dire. Mais vous connaissez au moins notre slogan. Votre slogan? Vous transpirez, nous inspirons et vous respirez. C'est joli, mais ça ne m'intéresse pas, je suis la cuisinière. Peut-on voir alors la personne préposée au ménage? Je suis sûr qu'une démonstration la convaincra. Bon, après tout. Rosemary? Qu'est-ce que c'est? Un aspirateur! Mais ce Reginald n'a pas commandé d'aspirateur? Il le fera, bel enfant, quand vous aurez essayé cette merveille. Nous transpirons, vous respirez, nous aspirons. Bref, voici l'aspirateur de demain, le Webb & Curtis, dernier modèle. Automatique, aérodynamique, 100 fois la puissance d'aspiration des modèles courants. Faites le ménage. Mais c'est déjà fait. Vous croyez? Oh, regardez, c'est une honte. Et maintenant? Vous verrez, c'est plus léger qu'une plume.
À vous. Oh, c'est formidable. On ne le sent pas. N'oubliez pas que grâce à notre brouillard, la poussière anglaise est la première du monde. Elle méritait un aspirateur à sa mesure, le Webb & Curtis. Vous allez voir, ça sera propre pour 8 jours. Oh, ben ça alors, c'est une affaire. Terminé pour ici. Où sont les nids à poussière? Partout. Alors, nous irons partout. Là, par exemple, c'est quoi? C'est le bureau de monsieur. Le bureau de monsieur. Le bureau de monsieur? Où il range ses papiers? Oh, la chance est avec moi. Je veux dire, cherchez le papier et vous trouverez la poussière, comme les monsieur Webb. Compton, maison Webb & Curtis, l'aspirateur de demain. Nous inspirons. Vous transpirez. Nous inspirons. Dehors! Comment? Dehors! Mais monsieur, la profession de représentant est reconnue par la loi. Eh bien, moi, je ne la reconnais pas. Mais monsieur... Jeune homme, ne vous amusez surtout pas à venir. Rendez pas ici. Vous risqueriez de gros ennuis. Peut-on vous aider, monsieur? Non. Ce n'est pas nécessaire. D'ailleurs, tout cela est en bien mauvais état. Non, merci. Mais bon. Encore? Elle va se rendre malade, c'est son troisième. Elle est l'aider à le finir. Ça, j'aimerais bien. J'en connais un autre. Eleanor, demandez-lui si elle me permet de lui offrir son dessert. J'espère que vous avez assez d'argent sur vous. Quoi? Trois quarts d'heure de dessert ininterrompu, ça fait une sacrée addition. Enfin, j'y vais. Vous me faites faire un drôle de métier. Dites-lui que je viens d'avoir une très grande joie et que je ne sais pas avec qui la partager. Ouais. Sa grâce consent à vous recevoir. Je m'appelle Harry Compton. Vous permettez que je prenne place? Vous êtes venu pour ça, non? Merci, mademoiselle... mademoiselle... Lightfeather. Penelope Lightfeather. Penelope? Mais ce n'est pas vrai. Mais si! Pourquoi vous n'aimez pas? Oh, si, mais c'est un prénom merveilleux, Penelope, la vertueuse épouse d'Ulysse, quoi. Mais je ne suis pas mariée. Tant mieux. C'est pour ça que vous pouvez m'appeler Penny. Alors, Penny, puis-je vous offrir... Un hérisson aux pommes. Pardon? Un hérisson aux pommes. Alors deux? Je ne veux rien d'autre. Deux hérissons aux pommes, deux! Quoi? Deux hérissons aux pommes. Ah bon. Vous travaillez? Oui, dans la couture. Ah oui, mannequin. Non,
Retoucheuse. À domicile. À domicile? J'ai ma boule. Buvez chaud, ça passera. Mais je ne veux pas que ça passe. Penny, j'ai rencontré la femme de ma vie. Oui, c'est ce que m'a dit Éléonore. Comment? Paraît quelque chose d'heureux vient de vous arriver. Et où l'avez-vous rencontrée? Ici même. Ici même? Mm-hmm. Mais quand? À l'instant. Je vous préviens qu'il n'y en a plus, hein. Ce sont les derniers. Je ne suis pas certaine, Monsieur Compton, que tout ce que vous me racontez soit correct. Oh, excusez-moi, mademoiselle, je ne voulais pas... Mais ce n'est pas du tout désagréable à entendre. Oh, Penny. Tu l'aimes, Nikola Sergeevitch Miloukine. Elle est idiote, mais tu l'aimes. Et tu veux fonder une famille anglaise, alors que tu trahis l'Angleterre. Penny, quitte en cet endroit. Pour aller où? N'importe où, quelle importance? Oh, désolé, Harry, je ne peux pas. On m'attend, une cliente. Je dois travailler tout l'après-midi. Mais téléphonez-lui que vous êtes malade. Oh, mentir n'est pas digne d'une citoyenne du Royaume-Uni. Oui, vous avez raison. Vous ne mentirez pas, c'est moi qui vais téléphoner. Vous? Oui, je dirai que je suis votre médecin. Quel est le numéro de cette dame? Flaxman 2070. J'en ai pour une minute. Ah, mais comment s'appelle votre cliente? Dumfries. Mrs. Barbara Dumfries. Harry! Ah, c'est... ça c'est rien, ça. Mais quel nom vous avez dit? Mrs. Barbara Dumfries. À propos, qui était ce docteur Hayward? Un médecin étrange, qui avait une voix charmante. Il s'occupe de ma nouvelle retoucheuse qui est souffrante. Je crois qu'il la soignera très bien. Vous voulez dire que ce praticien... n'en est pas un? Ou alors, c'est un spécialiste du cœur. Enfin, que voulez-vous? C'est samedi après-midi, il fait presque beau. Je me mets à la place de cette petite. C'est très gentil à vous, babe. J'ai 20 ans, moi aussi, Reggie. Vous venez de m'obliger à m'en souvenir. Babe, chérie. Que diriez-vous si, pour fêter cet anniversaire, nous donnions une grande réception? Oh, Reggie, ce serait merveilleux. Naturellement, je vous accorderai carte blanche pour vos dépenses. Je veux avoir beaucoup de monde et que le buffet soit parfait. Oh, Reggie, je vous remercie de votre confiance. À propos, vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous cherchiez dans le coffre. Je changeais simplement la combinaison. Tiens, pourquoi? Barbara, pouvez-vous garder un secret? Moyen original. À la demande de l'amirauté, ce coffre protège désormais un document essentiel à la défense du monde occidental. Au nom du ciel, parlez plus bas, je vous en supplie. Et naturellement, les Russes voudraient bien se l'approprier. Mais voyons, Reggie, il ne leur appartient pas. Je ne pense pas que cela soit un argument suffisant. Ces Russes ne sont vraiment pas des gentlemen. Et maintenant, regardez bien. B. A. B. E. Votre diminutif protège l'Occident. Oh. Thank you.
Je crains que vous ne me méprisiez. Vous méprisez? Moi? Vous? Et pourquoi? Parce que j'ai envie que vous m'embrassiez. Que je vous embrasse? Vous êtes très choqué, n'est-ce pas? Manqueriez-vous de conviction, Harry? Savez-vous, jeunes gens, qu'il est interdit de marcher par ici? Il y a des écriteaux. Ah, bon, je suis navré. Vous n'avez sûrement pas eu le temps de les lire. Je vous comprends, d'ailleurs. On n'a rien fait de mal. Essayez-vous d'insinuer que ma vue est défectueuse? Je vous ai observé. Une telle méthode n'est pas celle d'un gentleman. Je ne suis pas un gentleman, je suis un policeman. Et c'est pourquoi je vous serais obligé de me présenter vos papiers. La prochaine fois, modérez votre enthousiasme. Ou alors assurez-vous que vous êtes vraiment seul. Vos papiers, miss. Mes papiers? Mmh. Oui. Tout de suite. Je ne vois là qu'une carte de la Société protectrice des animaux. C'est très insuffisant. Vous appartenez au Parti communiste? Bon, évidemment, ça n'est pas défendu. Mais seulement, c'est ennuyeux. Et pourquoi, s'il vous plaît? Je ne saurais vous le dire exactement, mais je préférerais que vous veniez au poste. Adieu, Harry. Vous devez me détester. Je vous demande pardon, mais j'ai pas osé vous dire que je faisais partie du parti. Je suis très heureuse de vous avoir connue. Adieu. Mais on ne se verra plus. Après ce qui s'est passé, c'est impossible. Harry, promettez-moi de ne rien dire à personne. Dans le milieu où je travaille, on est plutôt conservateur. Et on vide là sur les pauvres gens. Oh, Harry. Monsieur Bagda, il y a un client. Un client déjà? Bon, j'y vais. Jamais vous ne m'avez fait l'honneur de venir goûter mes spécialités. Je souhaite pour vous que vous n'ayez pas à goûter les miennes. Asseyez-vous. Comment se porte votre ami Harry Compton? Ah, très, très, très bien. Je l'attends d'un moment à l'autre. N'essayez pas de mentir. Ses débuts ont été catastrophiques. Une maladresse de plus et l'affaire était définitivement compromise. Il faut me liquider, ce petit imbécile. Ne comptez pas sur moi. Comment? Comprenez-moi, je le connais depuis toujours, j'étais le seul ami de son père. Vous étiez l'ami d'un renégat et aujourd'hui vous êtes celui d'un incapable. Écoutez-moi, Bagda, nous n'avons jamais eu à nous plaindre de vous. C'est pourquoi je vous donne 48 heures. Ou bien votre protégé nous ramène le dossier, ou vous le supprimez vous-même à l'expiration du délai. Si ce geste vous répugne, je m'en chargerai. Mais alors je serai forcé d'en accomplir un autre, qui risque de vous être plus désagréable encore. Борщ, а потом блини. Attention, je suis connu par ici. Venez, c'est là. Oh, Penny. Vous êtes là, Penny? J'allais vous appeler, mamie, pour vous présenter Monsieur Compton. Mais avant, il tenait absolument à voir ma chambre. Oui. Ne vous troublez pas. Sans ces lunettes, mamie ne voit rien. Oui.
Mais bonsoir, madame. Oui, je tenais absolument à regarder. Vous habitez dans une très jolie maison. J'ai rencontré mademoiselle Lightfeather dans le parc, dans le restaurant. Je m'appelle Harry Compton. Et vous êtes amoureux de Penny. Pardon? Oh, non. Enfin, oui, si vous le permettez. Ce n'est pas à moi, c'est à elle de le permettre. Et vous teniez à contempler l'endroit où elle vit? Mais c'est très naturel. Et ça prouve vos bons sentiments. Vous prendrez bien une tasse de thé. Parfaitement, avec plaisir. Je m'appelle... Harry Compton, je sais. Tenez compagnie à Penny pendant que je vais à la cuisine. Ça va? Oui, ça va. Mais vous n'allez pas... Non, je ne vais pas. Bien entendu, je ne vais pas. Mais je devrais. Écoutez, Bagda. Bah, non! Non seulement vous échouez lamentablement, mais ensuite vous m'évitez. Et par votre faute, je mets une demi-heure à me débarrasser de deux flics. Écoutez, j'ai confiance en vous. Quand j'ai proposé votre nom, on m'a laissé carte blanche. Maintenant, on demande les comptes. Que feriez-vous à ma place? J'annoncerai que l'opération est en très bonne voie. Je vous prie de ne pas vous moquer de moi. Nous avons quelqu'un dans la place. Quoi? La couturière de Lady Barbara, c'est ma... fiancée. Venez à la maison. Vous allez me raconter ça. Alors, si j'ai bien compris, vous êtes amoureux. Vous avez bien compris. Eh bien, je n'aime pas du tout votre histoire. Il y a des millions de filles à Londres, et comme par hasard, vous tombez sur la couturière de Lady Barbara. Comme par hasard, elle est inscrite au parti, et comme par hasard, elle est idiote. Penny est incapable de ruse. C'est justement ce que je vais vérifier. Jeune homme. Oh, pardon. Inspecteur Kelly. Enchanté. Que puis-je pour vous, inspecteur? C'est au sujet de Miss Lightfeather. Mon Dieu, un accident. Non, 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 non. Il s'agit plutôt d'une mise en garde. Je ne comprends pas. Une mise en garde politique. Oh, je me doutais bien que ça arriverait un jour ou l'autre. C'est un cas très spécial, monsieur l'inspecteur. Elle est à la fois communiste et pas méchante. Tout le monde l'aime bien. Oh, vous pouvez vous renseigner dans tout le quartier. Oh. Parfaite idiote, monsieur l'inspecteur. Elle a, comment vous dire, l'esprit en vacances, toute l'année. Monsieur, les femmes qui font de la politique finissent toujours très mal. Voyez Jeanne d'Arc. Oh, vous savez, je n'ai jamais regardé que ses jambes, alors. Elle ferait n'importe quoi pour rendre service. C'est un vrai bureau de bienfaisance. Ça marche à petite vitesse là-dedans. Et pourrait même pas attraper un rhume. Elle adore les animaux, n'est-ce pas, Charlie? Je peux vous le dire en toute confidence. Elle fait de l'allergie à la gelée de groseille. Oh, écoutez, inspecteur, prenez-la, enfermez-la. Elle est trop bête, elle est trop sotte. À ce point-là, c'est de l'impudeur. Elle est sous. Et si délicieusement primitive. Vous savez, les malicieuses, les profondes, les délurées, les perspicaces vous font cocu, monsieur, et vous enlèvent la clientèle. Alors? Vous aviez raison, cette fille peut nous rendre des services extraordinaires. Mais est-ce qu'elle le fera? Ça, je m'en charge. Amenez-la ce soir au restaurant. Je vous invite à dîner. Oh, pardon, madame. C'est parce que j'ai aujourd'hui, je suis idiote. Pensez trop à votre médecin, mon... Pénélope. Alors, Margie, qu'en dites-vous? Eh bien... On fait pas mieux à Paris. Pénélope. Alors, Margie, c'est royal. Madame a tellement de classe, tout lui va. Pénélope! Monsieur et Madame Farrington. Dorothy, Donald, quelle joie! Je ne fais que passer. Je vous laisse Dorothy. Mes hommages. Vous savez que l'on parle beaucoup de votre soirée. Espérons qu'elle sera réussie. Puisque vous y serez. Oups. 20 ans d'union sans orage. Qui n'aimerait pas fêter cela?
Figurez-vous que Reginald se remet même à me faire la cour. Non. Vous avez entendu, Donald? Vraiment? Je me sauve. Donald, vous savez que j'ai toujours eu un faible pour vous. Sir Reginald ne risque rien. Qui pourrait lutter contre lui? Grand flatteur. À demain, Donald. Mesdames. Et maintenant, mes petites filles, une grande nouvelle. Il y en a une autre. Vous connaissez mon diminutif? Oui, Bèbe. Un peu jeune, mais charmant. Non, plus jeune encore que vous ne le supposez. Réginald vient de m'accorder le cadeau le plus somptueux de notre vie commune. Lequel? Sa confiance. Suivez-moi. Vodka, j'avoue, c'est pas mal. Venez là-haut goûter mon raki, c'est encore mieux. Bonjour, Mustapha. Non, il s'appelle Kemal. Et Mustapha, c'est plus rigolo. Je me sens bien. Pauvre Harry. Pourquoi pauvre Harry? N'est pas à plat. Oh, si. Pardon, moi je me sens très mal. Vous sentez très mal. Comment pourriez-vous être heureux d'ailleurs? Ah oui, oui c'est vrai. Au fond, je me sens vaguement triste. Vaguement triste. C'est à cause de votre job? Mon job? Non, pas du tout. À cause de son père? Mais papa, ça fait longtemps qu'il est... En prison? Il est en prison? Vous n'avez pas à en avoir honte. Vous pouvez lui dire à elle, elle vous aime, elle doit partager votre peine. Le père d'Harry est en prison, victime d'une injustice épouvantable. Lui aussi? Ben ça alors! Venez, mon petit. Harry m'a dit que l'idée même de l'injustice vous était intolérable. Ça oui, alors. Quand j'étais chez Max and Peter... Oui, je sais, il m'a tout raconté. Mais à vous, il ne vous a rien raconté de ce qui bouleverse sa vie. Il est si timide. Et pourtant, vous pourriez lui rendre un service, mais un immense service. Moi? Écoutez, Harry n'a qu'un but, réhabiliter celui qui lui a donné le jour. La preuve de l'innocence de son père est étalée noir sur blanc dans un document détenu par un homme puissant. Oh, c'est beau! Ce papier, Harry est décidé à le reprendre coûte que coûte à celui qui le garde injustement. Il a bien raison! Quel sale type! N'est-ce pas, Mustapha? Qui est-ce? Sir Reginald Dumfries. Sir Reginald? Oh, mais quelle coïncidence! Justement, tout à l'heure, j'étais chez sa femme. Je crois qu'elle m'aime bien. Écoutez, on va tout lui raconter. Moi, je suis sûre qu'elle va vous faire rendre votre papier. Allons-y! Non! Non, je suis sûr que ce n'est pas la bonne méthode. Il nous faut employer la ruse et tâcher de savoir d'abord où Sir Reginald cache ses documents les plus importants. Dans son coffre, bien sûr. Sans doute, mais ça ne résout pas le problème. Mais si, puisque je connais la combinaison. Vous connaissez le... Bien sûr, c'est Babe, le petit nom de Lady Barbara. Elle est très bavarde, Lady Barbara. Elle parle à tort et à travers. Moi, à sa place, je me méfierais. Pénélope, c'est le ciel qui a permis à Harry de vous rencontrer. Mais non, c'était Léonore, la servante du Lions. Alors, pour ce document... Bon, d'accord. Si Harry y tient vraiment, je m'arrangerai pour le faire rentrer chez Lady Barbara. Il prendra son petit papier, puis voilà. Oh, non, Penny, je ne pourrais jamais m'introduire dans cette maison. J'ai déjà essayé d'y penser. Moi, j'ai ma petite idée. Heureusement que je suis là, hein. N'est-ce pas, Mustapha? On peut savoir? Non, laissez-moi faire. Je suis pas comme Lady Barbara, moi, je raconte pas mes secrets à tout le monde. Vous avez vu? Qu'est-ce qu'il y a? L'heure! Vite, Harry, mamie va s'inquiéter. À bientôt, sœur. Et merci pour tout. Oups! Vous êtes amoureux d'elle? Oui. Mon
pauvre garçon. Pourquoi votre pauvre garçon? Parce que dès que nous aurons le dossier, Balagnev va la dénoncer à la police. Quoi? C'est le métier. Enfin, quand la dénonciation arrivera, nous serons loin. J'ai demandé votre visa. Et je pars avec vous. Et elle? Harry! Allez, allez, n'y pensez plus. Allez. Alors, Balagnev, vous pouvez venir. Oh, cessez de faire cette tête. Sinon, je me plaindrai à mamie. Allez, venez, on va lui dire bonsoir. Venez. Harry, promettez-moi que vous ne me ferez jamais souffrir. Assez, je vous en supplie. Penny, je suis un misérable indigne de votre confiance. Je suis un monstre, Penny. Vous devriez vous relever. Cette attitude n'est pas très correcte, Harry. Je ne m'appelle pas Harry. Ah bon? C'est dommage. Oh, pauvre Penny, je m'appelle Nicolas Sergeevich Miloukin. Oh, mais savez-vous que c'est très joli? Elle devrait me cracher à la figure, elle me dit que c'est joli. Miloukin, Madame Miloukin. Ça sonne bien. Penny, comprenez-moi, je vous ai trompé. Déjà? Avec qui? Avec Bagda! Oh, c'est très laid! Je suis un espion. Bagda est un espion. Et ensemble, nous espionnons. Ah, c'est ça? Oh, vous m'avez fait peur. Moi, j'aime bien les espions. Ils sont beaux, ils sont forts, ils sont intelligents. Comme vous. Mais moi, Penny, je suis l'être le plus vil que vous puissiez imaginer! N'exagérez pas un peu, non? Pourquoi ne voyez-vous le mal nulle part? Mais parce que le mal est un peu partout. Faut se faire une raison, sinon on pourrait plus vivre. Je ne veux plus vivre! Je suis maudit! Adieu, Penny. J'aurais voulu vous rendre heureuse, mais ce n'est pas possible. Plus rien n'est possible. Il ne me reste qu'à disparaître. C'est la seule chose que je puisse encore faire pour vous. Adieu. Oh, pardon. Un peu exalté, ce garçon, non? Nicolas Sergeevich Miloukin, tu es un traître. Oui, je suis un traître. Nicolas Sergeevich Miloukin, tu es un lâche. Oui, oui, je suis un lâche. Nicolas Sergeevich Miloukin, tu es un misérable. Oh, ça, je l'ai déjà dit, hein. Miloukin, appelez-moi Compton. Mais comment savez-vous mon nom? Ça fait 6 kilomètres, que vous le répétez tous les 10 mètres. Vous comptez voler comme ça? En enfer. Vous n'avez pas de chance. C'est le ciel qui m'envoie. Pressez-moi, il faut que je meure. Mais il faut que je meure, c'est la seule issue. Croyez-vous? Je suis un traître, un double traître. En mettant fin à une vie qui ne vous appartient pas, vous trahiriez le Seigneur et vous seriez un triple traître. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait trop. La Tamise n'est pas une solution. Pensez plutôt que Dieu a voulu vous éprouver. Oh, là, il a réussi, hein? Vivez, mon fils. La lumière est au bout de la nuit. Aimez votre prochain. Aimez et vous trouverez des raisons d'espérer. Mais justement, j'aime. Alors, votre existence terrestre appartient à celle qui pense à vous. Compton, Bagda, Balagnev, 3 exécutants. Au-dessus d'eux, personne. Impossible de sortir de là. Enfin, il y a bien un chef. Ils l'ont pas remplacé par un cerveau électronique. Un peu de patience, sir. Compton aura le dossier demain. Mais justement, ce petit Compton n'a pas l'air de prendre sa mission très au sérieux. Mais qu'est-ce qui vous fait penser, mais sir? La plus vieille preuve du monde. Il est amoureux. Par exemple. Et de qui? Décidément, original, il faudra toujours tout vous apprendre. De Penelope Lightfeather. Ma couturière? Je veux dire celle de Babe. Mais alors, c'est par elle qu'il espère arriver à mon coffre. Mais vous pensez, Reginald? J'essaie, sœur. Entrez! Messieurs, nous avons eu chaud. Une seconde de plus et il nous fallait encore attendre 3 ans avant de connaître le chef de l'espionnage russe à Londres. Expliquez vos cartes. Compton a voulu se suicider. Hein? Quelle idée absurde! C'est exactement ce que je lui ai dit.
votre fils spirituel. Harry ? Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici ? J'allais vous le demander. J'espère pour vous que vous n'aviez pas pris l'initiative de ce nouveau contact. Non, je n'en peux plus. J'abandonne le métier, je rends mon tablier. Mais enfin, Harry, qu'est-ce qui se passe? Il y a une Je me dégoûte, vous me dégoûtez. Tout ce que nous faisons me dégoûte. C'est fini, fini. Vous pouvez transmettre mon rapport à qui de droit. Mission non accomplie, mais terminée. Salut. Attention. D'ailleurs... Ça va finir mal, d'ailleurs, tout ça. Je suis irrécupérable. J'ai dit la vérité à Penny. Vous avez dit... Que j'étais un espion et vous aussi. Quoi? En plus, sa grand-mère a profité de la confidence, alors vous voyez, c'est sans espoir. Adieu. Milokin. Ah, ça, c'est le bouquet. Tout le monde sait mon nom ce soir, hein? Qui êtes-vous? Je suis qui de droit? Ou dis-moi, je le représente. Vous voulez nous quitter? Parfaitement. Il vous faudra donc aussi quitter la vie. En même temps, d'ailleurs, que deux personnes qui vous sont chères et qui ont eu la primeur de vos révélations malheureuses. Vous ne feriez pas ça. Oh, si. Et sur le champ. À moins, bien sûr... Que je reprenne mon tablier et que je vous apporte le dossier. C'est d'accord, c'est entendu, c'est signé. Mais attention, vous ne toucherez pas un cheveu de Penny. Si vous êtes loyal, nous le serons. Ni de sa grand-mère. C'est juré. C'est promis. Bon. Nous avons besoin de la petite couturière, du moins jusqu'à après-demain. Mais la grand-mère est trop dangereuse. Qui sait ce que lui a raconté exactement ce crétin? Il faut la supprimer. Bon, j'y vais. Non. Demain, quand elle sera seule, en fin d'après-midi. Bien entendu, vous avez le choix des moyens. C'est encore moi. Entrez, inspecteur. Penny vient de partir au cinéma avec son petit ami. Oh, vous n'avez pas de chance. Ce n'est pas mon avis. J'allais justement prendre mon thé. Vous en boirez bien une tasse. Une tasse? Pourquoi pas? Vous êtes seule ici? Oh, je ne m'ennuie jamais. Je trouve toujours quelque chose à faire. Mais asseyez-vous. Pour ce soir, Madame Lightfeather, il est inutile que vous cherchiez une occupation. Je crains de ne pas très bien comprendre. Avez-vous peur de la mort, Madame Lightfeather? Ce n'est pas une idée très agréable, mais je ne pense pas en avoir vraiment peur. Pourquoi cette question? Parce que je suis ici pour vous tuer, Madame Lightfeather. Ah. Mangerez-vous une tranche de cake, monsieur l'inspecteur? Je crains, madame, que vous n'ayez pas compris que... Si, si. Vous êtes venu ici pour m'assassiner. Oui. J'ai compris. Je pense que toutes vos précautions sont prises et qu'il est inutile de vous rendre la tâche plus pénible encore, n'est-ce pas? Oui, c'est exactement ça. Puis-je toutefois vous demander pour quelle raison ma disparition vous paraît souhaitable? Vous tombez un peu comme un soldat meurt. Un peu par hasard, un peu pour des questions internationales. Je suis surprise, mais je n'ai aucune raison de mettre votre parole en doute, n'est-ce pas? Encore un peu de thé. Volontiers, oui. C'est un mélange qui vient de ma grand-mère. Il est merveilleux. Oups, il est un peu noir, mais peut-être qu'avec beaucoup de sucre. Oui, oui, je bois très sucré. Quand vous voudrez, Madame Lightfeather. Je sollicite un sursis d'une vingtaine de minutes pour me préparer à ce départ inattendu. Est-ce possible? Entendu, mais pas plus de 20 minutes. Je pense que ça suffira. N'ayez pas peur, je l'ai sous-verre. Thank you.
Jane. Quand Jackson et sa bande seront à 6 pieds sous terre, et que votre père pourra enfin serrer la main du shérif. Vous m'aviez pourtant juré. Nous avions seulement promis. Et puis les serments sont faits pour être trahis. Penny, comment va votre grand-mère? Voyons, Harry, nous venons de la quitter, elle va très bien. Partons, il faut que je la voie. Mais Harry! J'ai terriblement envie de la voir. Allez. Maman, Harry, je ne vous comprends pas. Me faire sortir juste au moment du crime. Je vous en veux de m'avoir privé de mon crime. Le ciel fasse que je vous en ai vraiment privé, Penny. Fiche! Surtout, n'allumez pas. Quoi de neuf? C'est vous, Harry. Penny n'est pas avec vous. Je suis là, mamie. Tenez, voilà vos lunettes. Vous savez que je suis un peu jalouse. Mmh. En plein milieu du film, il a eu brusquement envie de vous voir, comme ça. C'est vrai? Ouais. Mais je suis très flattée. Oh! De rien. Je veux dire, c'est bien normal. Enfin, vous allez bien? Oh, toujours mes rhumatismes. Oh, c'est pas mortel. Oui, bon, alors, vous permettez. Aïe, aïe, aïe. Oui, je sais, c'est moi qui l'ai. Asseyez-vous. Il est encore chaud. Le thé, ne vous agitez pas comme ça. L'homme, il dort. Oui. Il doit être très fatigué, vous savez. Il est un peu... Il est déjà venu l'autre jour, en jouant au policier. Et ce soir, il est revenu en disant qu'il allait me tuer pour des questions d'équilibre international. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je l'ai soigné comme une mère. Une bonne tasse de thé, avec une bonne dose de mon somnifère. Ça l'a calmé. Il en a pour la nuit. Madame, je ne partirai pas tranquille en laissant cet individu derrière moi. C'est que je n'ai plus de place pour vous loger. Tant pis, je veillerai dans la chambre. Comme ça, s'il se réveille, je serai là. Avec plaisir. Vous lui en donnerez encore une dose. Mmh. Harry, c'est très mal de mentir à cette pauvre mamie. Si vous croyez que je n'ai pas reconnu votre amie. Vous l'avez vue? Et vous avez monté toute cette histoire compliquée juste pour coucher ici. C'était vraiment pas la peine. Vous aviez qu'à demander à mamie. Allez, venez. Je veille. Nous allons dormir sous le même toit. Vous, votre ami, mamie et moi. Ça va être gentil comme tout. Hein, monsieur l'espion? Je veille. Parce que c'est votre lit? Mais non, c'est pas mon lit. Mais alors où suis-je? Chez la malheureuse que vous vouliez assassiner et qui, heureusement, vous a pris pour un fou. Oh, j'y suis. C'est le thé. Et pourtant, vous m'aviez promis... Oh, ça va. Il faut que je file sans être vu. Bon, attendez. Il n'y a personne. Allez-y. J'irai vous voir tout à l'heure. Oh, les mains! Vous êtes pris! Alors, on s'en va sans dire au revoir.
Vous savez que c'est très vilain et peu digne d'un gentleman. Pardon, je prends congé. Au revoir. Vous avez encore beaucoup de progrès à faire, monsieur Bagda. Je ne voudrais pas vous vexer, mais vous ressemblez aussi peu à un policier qu'à rien à un espion. Dites-moi, entre nous, vous aviez arrangé tout ça avec Harry, non? Eh bien, oui, là, mais ne le répétez pas à votre grand-mère, j'aurais trop honte. Excusez-moi. Au revoir. Il m'a tout avoué. Et il vous a tout avoué? Tout. Je ne voulais pas, Penny, je vous jure. Il m'avait promis de rien faire. Adieu. Ah non! Vous n'allez pas recommencer. Vous allez prendre votre breakfast. Asseyez-vous. Pardonnez-moi, Penny. Moi, je veux bien. Mais quoi? Mais tout ça... Bon. On verra avec mamie. Pour l'instant, pensons aux choses importantes. Aux choses importantes? Mais enfin, Harry, comment pouvez-vous oublier? Le dossier, votre père. Mon père? Mon père? Le dossier! Babe, darling, nos invités arrivent et vous n'êtes pas prête. J'ai déjà téléphoné deux fois chez Pearl and Clémentine. C'est évidemment fermé, ma robe n'est toujours pas là. J'en pleurerai. Non, je vous en prie, pensez à votre maquillage. Oui. Margie, soyez en amour, remplacez-moi pour recevoir nos amis. C'est ça. Oh, enfin. Je termine à l'instant. J'ai pris un taxi. Vite, mon petit. On n'a encore rien vu de ce genre. Je suis sûre qu'elle fera un effet terrible. J'y compte bien. Rosemary? Excusez-moi, je me sauve. Moi aussi, je dois m'habiller. Je dîne avec des amis à la Lune Indépendante. Drôle de nom. Enfin, bonsoir, mon petit. Amusez-vous bien. Vous aussi, madame. Vous êtes sûre qu'elle va venir, même après ce qui s'est passé? Elle est persuadée que vous avez agi par amitié pour moi. Quelle idiote. Enfin, l'essentiel, c'est qu'elle vous fasse pénétrer ce soir chez les Dumfries. Vous avez vu l'heure? Qu'elle n'ait pas oublié. Elle n'a pas oublié. Elle vous a dit au moins comment elle comptait s'y prendre? J'ai vaguement compris qu'il s'agissait de la robe de Lady Barbara. Vous vous fichez de moi? Rosemary! Madame? Mais vous m'agrafez, vous, non? Parce que vous pouvez être maladroite, ma pauvre fille. Bon, ça... C'est un peu serré. Je peux à peine respirer. Oh, mais ça me fait taille! Alors, ça n'en finit pas! Ça devient inconvenant! Ravissant. Vous marchez drôlement. Qu'est-ce que vous avez? 20 ans de moins. Oui, bon, venez. Tout le monde vous attend. Hein? Je ne voudrais pas vous brusquer, ma chère Pénélope, mais je vous répète que c'est ce soir. Vous en faites une tête. Ce soir est de préférence le plus tôt possible, car il doit pénétrer chez les Dumfries. Tout votre cas. Penny, je vous en prie, c'est grave. Voyons, monsieur Bagda, c'est pas vous qui êtes en prison. Vous avez de la chance d'ailleurs que ce soit le père d'Harry. Parce que moi, si c'était vous, je vous y laisserais. Supplie, faites quelque chose ou je tords le cou à cette perruche. Bonsoir, chère madame. William, le 2. Bonsoir. Comment allez-vous? Moi? Très bien. Mais vous? J'ai lu les journaux. Pas un mot sur la mort de Madame Lightfeather. Pas un mot? C'est curieux. J'ai téléphoné chez la vieille dame. Heureusement pour vous, je n'ai pas eu de réponse. C'est pourquoi vous êtes encore vivant. D'autre part, je pense que votre jeune homme est prêt à s'introduire chez les Dumfries. Ah oui, il s'y prépare fiévreusement. Pour une fois, je souhaiterais que vous surveilliez vous-même l'opération. Mais comment est-ce que je vais entrer chez Sir Reginald? C'est impossible. Ce serait impossible si j'avais laissé le moyen d'entrer à votre imagination. Heureusement, j'ai tout prévu. Nous avons là-bas un extra. Peter Walter,
Vers 20h30, sa mère, malheureusement, va avoir une attaque. Et il va être obligé de téléphoner à un ami. C'est-à-dire vous, pour se faire remplacer. Mais, et mes clients? Peter Walter vous remplacera. Je vois que tout a été envisagé. Tout. Même l'échec. Alors votre plan, ça consiste en quoi? Un peu de patience, sœur. Je n'ai plus de patience, j'en ai assez! Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Ah, bon, parfait. Alors, si ce n'est pas trop vous demander... Oui, dites, venez, je vous en supplie. Bon. Ben voilà. J'ai pris du 400 au lieu du 30. Qu'est-ce qu'il y a du 400 et qu'est-ce qu'il y a du 30? Le fil des brides. Quelle bride? Du gros grain. C'est fatigant à la fin, c'est clair pourtant. Les brides du gros grain. Ah, les brides du gros grain. Qu'est-ce que c'est? La robe de Lady Barbara a une jupe. La jupe a un gros grain. Une ceinture, quoi, tout le monde sait ça. Je l'ai fait trop étroite de 3 cm. C'est peu. Non, c'est beaucoup. C'est même très serré. Les agrafes du gros grain prennent sur des brides que j'ai faites avec du fil numéro 400, très fragiles. Au moindre effort, ou si elle boit trop, crac! Et toutes les pinces autour de la taille fichent le camp. Alors c'est réglé, elle m'appelle. Les cafés sont là-haut, monsieur. Montons. Mais dites-moi, la femme de chambre va faire la réparation. Rosemary? Elle est maladroite comme tout. Non, non, je suis sûre que Lady Barbara va me téléphoner. Mais Pearl and Clementine, c'est fermé. Elle appellera ici. Elle sait que je suis à la Lune indépendante. Avec un nom pareil, elle risque pas d'oublier. Oh, Penny, vous êtes géniale. C'est bien mon avis. Mais alors, c'est formidable. Ça craque, elle vous appelle et vous emmenez Harry. Mais si ça craque pas? Mais ça craquera. D'ailleurs, j'ai fait le truc sur ma robe pour vous montrer. Regardez. Vous voyez, elle est trop serrée. Alors, je vais faire un effort. Et craque! Vous voyez? Oui. Admirable. Je veux dire, c'est... Ce sera certainement moins attrayant avec Lady Barbara. Mon cher Plath, vous êtes un polisson. Je suis français, madame. Un peu de champagne pour vous, maître. Non. Mais je vois là-bas un petit canapé au concombre croissant des fontaines qui va passer un mauvais moment. Mon Dieu, que c'est loin. Attendez. Vous n'y arriverez pas. Mais où sont donc ces extras? Je suis près du but. Allô, oui? Non, monsieur, ce ne sont pas les wagons-lits. Herbert, où étiez-vous caché? Marjorie était très inquiète. Il y a tant de jolies femmes ce soir. Vraiment, madame? Je n'avais vu que vous. Bravo, Herbert, vous faites des progrès. Même Donald serait jaloux de votre aisance. Seigneur Rosali, quelle joie! Vous buvez trop, babe. C'est un si beau soir. Si nous valsions. Pourquoi pas? Non, ces jeunes ne sont déjà plus de mon âge. Je suis tout essoufflée. Mais cela vous va très bien. Buvons encore. Je vais éclater. Mais tant pis. Heureusement que les jupes sont ajustées à la taille cette année. Avec une robe vague, le père d'Harry était fichu. Mais il est fichu. Et nous aussi. Il est un peu nerveux, votre ami. Ce député écossais, le travailliste, rappelez-moi son nom. Kinley, McKinley. C'est ça, et savez-vous ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, votre Laurence Olivier, je ne lui trouve rien d'extraordinaire. Je l'ai vu. Je lui demande, dans quoi l'avez-vous vu? Il me répond, dans un taxi. Allô, oui. Oui, elle est là, elle est là. Ne quittez pas. Vraiment? Alors ça, je ne comprends pas. Et Rosemary? Non? Oh, ça m'étonne. Tout de suite?
Mais c'est très, très difficile. Je suis avec... Oui, c'est ça, avec mon médecin. Qu'ils viennent aussi? Bon. Bon, j'arrive. Pénélope, mon petit, je finis par croire que vous m'en voulez. Excusez-moi, madame, mais je m'énerve. J'aime pas travailler vite. Voilà, ça y est. Merveilleux, vous êtes un ange. Venez vite. Je suis sûre que certains de mes invités seront ravis de vous connaître. Mais madame, je suis là avec mon... Enfin, mon... Ah, votre médecin. J'oubliais, si j'étourdis. Montrez-le-moi. Voilà, c'est Harry. Le docteur Hayward, charmé. Vous avez une bien jolie voix. Il est ravissant de le laisser pas traîner. A tout de suite. Mère Edgy, vous désertez? Mais Cheryl, laissez-moi me reposer 2 minutes dans mon bureau, je n'en peux plus. Tenez, allez donc faire un brin de cour à l'amiral. Il vient d'arriver et il cherche une figure de proue. Soit, mais 2 minutes, pas plus. Penny? Oui. Le bureau. C'est par là, non? Oui, c'est par là. Venez. Le coffre est là, derrière la télé. Allumez. Bonsoir, sir. Je vous ai fait peur. C'est idiot et je m'en excuse. Miss Lightfeather, je suppose. C'est ça. Et ce gentleman? C'est Harry Compton. Vraiment? Oui, oui, sûr. Enfin, c'est certainement mon nom. Oh, il dit ça aujourd'hui. L'autre jour, il s'appelait, je ne sais plus comment. Il a été docteur, représentant, employé de banque. Il raconte un tas de choses, vous savez. Parfois même, il se prend pour... Devinez quoi? Ma foi... Pour un espion. Il se prend pour un espion. Amusant, tout ça. Et bien pratique. C'est si monotone d'être toujours soi-même. Bien, je vous laisse. Ah non, c'est à nous de... Non, restez là, en amoureux. Moi, je me dois à mes invités. Vous savez que vous êtes très sympathique. À vous entendre, on a du mal à croire que vous commettez des injustices. Pardon? Regardez-le, regardez-le bien. Il vous fait pas pitié. Ma foi, non. Il est plutôt joli garçon. Et puis, il a beaucoup de chance. Beaucoup de chance. Avec un père en prison et par votre faute. Harry! Allons, bon. Mais... Harry! Allons, mais qu'est-ce qu'il a? Allons! Ah, voilà. Voilà, il revient. Ça ne sera rien. Je vous abandonne. Nous reprendrons cette conversation plus tard. Bon, vite, le dossier. Oups, mon bas. Donnez-moi une seconde. Dépêchez-vous, Bagda nous attend. Rejoignez-moi dehors. Qui, monsieur? Vous espériez trouver des clients pour vos aspirateurs. Ça va vous coûter cher, mon bonhomme.
Où se trouve Harry? Et justement, je le cherche. Il devait m'attendre dehors avec le dossier. Vous avez le dossier? Bien sûr. Harry semblait même très pressé de vous le remettre. Je comprends rien. C'est de son père qu'il s'agit, pas du vôtre. Il doit m'attendre à la maison. J'y vais. Et moi alors? Mais qu'est-ce qu'ils ont ce soir? Appelez-moi un taxi. Mademoiselle. Oh, pardon. Une minute. Vous vous intéressez à la couturière de Lady Barbara? Ça vous regarde? Savez-vous à qui vous parlez? Oui. À Larbin du capitalisme. Le dossier? Oh. Ça y est, je l'ai perdu. Faut prévenir Bagdad. Non. Il y a plus urgent. Pour l'honneur des Milukin. Est-ce bien vous? Hélas, madame. Je n'aurais jamais cru cela de vous. Moi non plus, madame. Vous avez été formidable, mon vieux. Encore jamais vu ça. Comment vous y prenez-vous? Vous avez de bonnes nouvelles, j'espère. Très bonne, excellente. Compton n'est pas là. Je me moque de Compton. Vous avez le dossier? Mais non, justement, c'est lui qui l'a. Il doit être là. Il est parti avant moi. Nous allons l'attendre ensemble. Il va sûrement pas tarder. Peter Walter. Voici vos comptes. J'ai fait 35 ouverts. Vos clients sont des gens charmants. Dois-je retourner chez les dames Frey? C'est inutile, Peter. Allez vous coucher, je vous téléphonerai demain. Ne gaspillez pas votre peur, vous pourriez en avoir besoin. Fermez donc, espèce d'idiot! Vous avez l'objet? L'objet? Le dossier. Donnez vite. Je n'ai pas. Oh, intéressant. Expliquez donc cela à votre ami Bagdad, qui vient de m'affirmer le contraire. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Penny m'a dit que vous aviez réussi. Je suis tombé sur le maître d'hôtel qui m'a reconnu. Alors, nous sommes allés régler nos différends dans le parc. Il y a eu un petit match. Et dans la bataille, plus de dossiers. J'ai cherché partout, mais... C'est tout ce que vous avez trouvé? J'ai rien trouvé. Comme explication, ça me paraît pauvre. Écoutez, Balanière, c'est vous qui allez m'écouter. Et peut-être pour la dernière fois. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais eu très confiance en vous, Bagdad. Les événements viennent hélas de me donner raison. J'ai retéléphoné à Mme Lightfeather après vérification du numéro que vous m'aviez donné et qui était faux. Eh bien, on a dû me brancher par mégarde sur l'au-delà, car c'est elle qui m'a répondu. Qu'en dites-vous? Je peux vous expliquer. Vous pourriez, en effet. Mais ça ne m'intéresse plus. Une seule chose m'intéresse. Le dossier. L'un de vous deux me trompe. Ou peut-être les deux. Je vais vous donner 5 minutes. Si au bout de ce laps de temps, vous n'avez rien avoué, je commence par abattre le jeune homme. Après quoi, vous bénéficierez, cher Bagdad, d'un nouveau sursis de 5 minutes. Si à ce moment-là, vous vous obstinez à me tromper, je vous promets 2 ou 3 heures de réjouissance tout à fait particulière. Maintenant, messieurs, jetez un coup d'œil sur vos montres. Réfléchissez bien. Cela vaut la peine. Bonsoir tout le monde. Penny, je peux dire... Vous êtes la bienvenue. C'était bien la peine de me parler du dossier Avalanche comme d'une chose importante.
Pardon? Regardez. Votre avis? Ça me paraît raté. Je ne vous le fais pas dire. Nous allons être obligés de trouver des raisons valables à ce lamentable fiasco. Replacez ce dossier dans votre coffre et rejoignez vos invités. Bon. Pardonnez-moi, monsieur, pour tout à l'heure, mais ma trajectoire était involontaire. J'ai été assailli lâchement sur mes arrières. Par qui? Par un homme qui s'est déjà introduit dans la maison sous le prétexte de présenter un aspirateur. Où est-il? Je l'ai expulsé, monsieur. J'ai fait mon devoir. Vous êtes un imbécile, Sergeant. Tiens. Hé, hey, Penny. Tiens. Oh. Vous savez que c'est très mal de tuer son prochain. Taisez-vous, je vais pleurer. Peut-être que ça vous soulagerait. Ce qui me soulagerait, ce serait de vous voir allongé là, à côté de lui. Oh! Ce ne serait ni correct, ni hygiénique. Je sens que je vais faire un malheur. C'est déjà fait, non? Mais elle le fait exprès ou quoi? Elle est comme ça. Aidez-moi, on l'embarque. Qu'est-ce que vous allez en faire? M'en débarrasser si ça ne vous dérange pas. Ou moi? Rangez-vous pour qu'elle la boucle une fois pour toutes ou je m'en charge. Sage, hein? Encore un peu de vodka. Patron, regardez. Repose en paix, Fédor Alexandrovitch Balaniev. Tu étais un sage ennemi. Mais vous croyez qu'ils l'ont? Vous vous promenez souvent avec ce genre de paquet, vous? Direction la Tamise. Et comment savez-vous? Si vous feriez à leur place. Maman, je vous jure. Mais je fais rien, moi. Son of a bitch. Bonsoir. Le joli Bobby. Un peu familière, la demoiselle. Elle adore les policemen. Ça prouve qu'elle a du goût. Et où allez-vous comme ça? Je conduis ma nièce chez ma sœur, à Putney. Parfait, parfait, parfait. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce gros paquet? Là, un cadavre. Parfait, 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 parfait. Quel genre de cadavre? Celui d'un espion soviétique. Vous voulez le voir? Allez, roulez! Le contact! Vous avez entendu, sergent? Bien sûr, promet. Et vous ne savez pas le plus drôle. Quoi donc, sergent? Ce que vous a dit la demoiselle était vrai. Ces gens-là transportent réellement le cadavre d'un espion russe qu'ils viennent d'assassiner. Si ce flic avait eu la moindre envie de vérifier, vous dire, je vous jure qu'avant d'être arrêté, je vous aurais offert une petite fête à ma façon. Oh, merci de tout mon cœur, monsieur Bagdad. Ça vous ennuie pas, au moins que j'ai dit la vérité? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tiens, voilà du monde. Quelle tête! Youpi! Alors, ça va pas, non? Miaou, 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 miaou. Miaou, miaou. Elle est cinglée, non? Plutôt, oui, oui.
Toute petite, elle a été enterrée vivante sous les décombres pendant un bombardement. Alors, c'est le choc, ah n'est-ce bon, pas oui. Oh, la pauvre fille. Hein. Enfin, et où allez-vous comme ça tous les trois hein? Tous les quatre? Vous oubliez le cadavre? Les cadavres. Oui, bien sûr, vous transportez des cadavres. Moi aussi, le dimanche, pour passer le temps, j'en promène toujours deux ou trois. Eh bien, détendez-vous, mademoiselle. Et puis, allez vite dormir, hein. Bonsoir. L'imbécile de sergent a failli tout gâcher. J'espère maintenant qu'ils en ont terminé avec les flics. Voiture C16. Inspecteur Cartwright. J'appelle la brigade fluviale, terminée. Centrale fluviale, bonsoir inspecteur, nous vous écoutons. Bonsoir. Votre coquille de noix est prête? Prête inspecteur, les plongeurs aussi. Quelle direction? Pour l'instant, nous nous dirigeons vers les docks. Bien le coin du tapis, on le garde. Oui, ça va servir. Allez, venez. Maintenant, faut me ramener, hein. Mamie va s'inquiéter. Pénélope, je vous trouve bien légère. Avez-vous oublié le père d'Harry? Cabaret, Donald. Je me dois à mes invités. Ils ont bien de la chance. À tout de suite. Herbert, j'aimerais avoir votre sentiment. Cette histoire de dossier volé et abandonné par son voleur, je trouve cela effarant. Taisez-vous. Je n'aurais jamais cru ce original capable de tant de légèreté. Ne trouvez-vous pas aussi léger de la part de l'amiral de lui laisser encore le soin de conserver ce document? D'autant plus léger que Sir Reginald ne sait même pas, semble-t-il, donner la peine de trouver une nouvelle cachette. Tout va bien, le dossier est revenu à sa place. Alors voici mon plan. Penny ouvre seul le coffre, récupère le document, vous vous faites le guet sur la galerie. Dès que vous avez le dossier, vous foncez dans l'escalier sans vous soucier d'être vu au bas. Je vous attendrai au bas des marches, à droite. Vous me passez l'objet et vous sortez par le parc. Vu ? Revenant. Je voulais m'excuser pour tout à l'heure. Dors. Vous n'avez rien fait toute la soirée. Ce n'est pas mon avis. C'est le mien. Dors. Et voilà, je me sauve. Donnez vite. Non. Ces papiers intéressent le père d'Harry, je les donnerai à Harry. Où est-il? Je n'en sais rien, donnez-moi ça. Non. Enfin, là, non, c'est quelque chose. Il ne manquait plus que ça. Je crois que je suis arrivé à temps, mademoiselle. Pénélope, mon petit, où est-ce que vous cachez? Vous cherchez depuis une heure. Le dossier de Reggie. Merci. Enfin, Reggie, vous le faites exprès ou quoi? On vient encore de me le rapporter. Nom de Dieu! Par ici, Reginald. Cette fois, je vais vous raccompagner moi-même.
Réginald, ce qui se passe ici est contraire à toutes les lois de l'espionnage. Il comprend rien. J'en suis persuadé. Il n'y a donc plus qu'une solution. Ce dossier devait logiquement être volé. Il n'a pas été. Hélas. Affirmons donc qu'un important document, connu sous le nom d'Avalanche, a été dérobé chez vous au cours de la soirée. Je vous infligerai un blâme officiel. Pardon? Enfin, un simili-blâme, si vous préférez. Mais qui, pour le public, sera réel. On saura plus tard en haut lieu reconnaître votre abnégation. Je suis à vos ordres, amiral. Il va falloir vous transformer en comédien, Réginald. En bon comédien. Car personne, vous m'entendez, personne ne doit être dans la confidence. Réginald, je ne partirai pas tranquille en vous laissant ce dossier que l'on a tenté par deux fois de vous voler ce soir. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je l'emporterai avec moi. À votre guise, amiral, je vais le chercher. Quelque chose à boire, monsieur? Amiral! Amiral! Le dossier Avalanche, volé une fois de plus! Mon coffre est ouvert! Volontiers. Un petit scotch. Il se passe décidément de drôles de choses chez vous, sœur Réginald. Soyez à mon bureau demain à 8 heures pour essayer de vous en expliquer. Demain à 8 heures, amiral. Monsieur Bacter. Hein? Quoi? Qui êtes-vous? Quelqu'un qui aimerait avoir des nouvelles de notre camarade Fedor Alexandrovitch Balarniev. J'ai essayé de le joindre, mais il n'était pas chez lui. Bien sûr, il était dans la Tamise. En cette saison? Il n'y a pas de saison pour mourir, n'est-ce pas, mon cher Bacter? Je ne comprends pas. Vraiment? Où avez-vous caché le dossier Avalanche? Mais je n'ai pas le dossier, je ne l'ai jamais eu. Où avais-je la tête? Vous n'avez pas eu le temps de lire les journaux. Toute la presse du matin annonce le vol sur 5 colonnes, mais bien entendu, vous n'y êtes pour rien. Harry mort et doublé? Ou alors Pénélope? Non, non, c'est pas possible. Mais si, c'est une hypothèse. Dommage pour vous, car ou vous êtes un traître ou vous êtes un imbécile. Dans les deux cas, il n'y a qu'une solution. Vous permettez que je sorte de mon lit? À quoi bon? Où pourriez-vous mourir plus confortablement? J'écoute. Harry, c'est Bacta. Je suis en train de mourir. J'entends rien. Je suis en train de mourir. Quoi? Ils m'ont payé 3 balles dans la peau. Méfiez-vous, ils vont chez la petite pour la tuer. Comme moi. Faites vite. Faites vite. La Nief hier soir, Bagdad ce matin. J'espère que nous n'arriverons pas trop tard pour Compton. Harry Compton. Il vient juste de partir. Il n'a même pas pris son petit déjeuner. Allez, je... Où est Penny? Dans sa chambre, je pense. Pardon. Maintenant, ça le prend même le matin. Si vous continuez, vous aurez des enfants bourrés de complexes. Mon père n'a jamais existé, c'est un mythe. Tiens, la génération spontanée. Il n'a jamais été en prison. Eh bien, c'est beaucoup mieux comme ça, non? Mais vous n'avez rien compris. Le document que je vous ai demandé de voler intéressait la défense de l'Occident. Seulement. On se demande où il va chercher tout ça. Adieu, Penny. J'aurais été heureux entre vous et mamie, mais je me suis mal conduit, très très mal. Alors je vais payer. J'espère seulement qu'ils se contenteront de ma vie et n'attendront pas la vôtre. Adieu. Fermez bien le verrou et téléphonez à la police.
Je regrette, Monsieur Compton, mais vous possédez un document dont j'ai absolument besoin. Mais je ne l'ai pas, je vous jure. Alors, ça ne peut être que la charmante demoiselle Lightfeather. Mais je vous reconnais, vous. C'est bien dommage pour vous. Tiens, pourquoi? Parce que je vais devoir vous supprimer, ainsi que madame votre grand-mère, à qui je présente mes hommages. C'est tout de même curieux le nombre de gens qui veulent m'assassiner ces jours-ci. Je trouve cette prétention abusive. Si vous touchez à mamie, je vous griffe. Donnez-moi donc le dossier, je vous laisserai en paix. Je vous donne une minute. Passez-la. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Permettez que je vous évite cet effort. Huit. Neuf. Dix. Onze. Ça suffit, Farrington. De toute façon, c'est mieux ainsi, croyez-moi. Vous avez été bien, Harry Compton. Mais vous n'êtes plus clergyman. À vrai dire, je ne l'ai pas été bien longtemps. Inspecteur Cartwright de l'Intelligence Service. Alors, vous qui savez, dites-lui que je suis un espion, que je suis au service des soviets. Que vous étiez au service des soviets, mais que dans un instant, vous ne serez plus au service de personne. Lâchez votre arme, Cartwright. Maud Smith. Si l'on veut. C'est vous qui avez tué Farrington? Je le crains, oui. Vous m'avez débarrassé d'un collaborateur charmant, mais pas très sérieux. Collaborateur? Dois-je comprendre, Miss, que vous êtes ce personnage que nous cherchons en vain depuis 3 ans? Ça vous étonne, n'est-ce pas? Allons, donnez-moi le dossier le plus vite possible, il ne vous sera fait aucun mal. Aucun mal? Vous voulez rire? Le chef du réseau d'espionnage soviétique à Londres nous laisserait la vie, en même temps que la garde d'un secret aussi lourd? Impossible. Vous ne manquez pas de subtilité, Monsieur Cartwright. Assez! Vous allez être en retard pour votre service. Inspecteur, essayez donc de persuader cette idiote qu'elle n'en a plus longtemps à vivre. Encore! Moi, j'en ai assez! C'est plus possible de vivre avec tous ces gens qui veulent vous tuer. Inspecteur, dites-lui qu'elle n'a pas le droit. Si Lady Barbara se doutait de ça, je crois bien qu'elle vous mettrait à la porte. Je vous demande pardon, mais je pense que je vais me trouver mal. Mamie! Oh! Je vous ai pas fait trop mal, au moins. Les menottes, vite. Messieurs, vous pouvez sortir. Capitaine Fellow, MI5, Bureau des Affaires Soviétiques. Bonjour, inspecteur. Puis-je vous présenter le lieutenant Lightfeather? Bravo, ma chérie. Vous avez été merveilleux. Bien joué, lieutenant. Vous auriez pu nous mettre dans la confidence. Pourquoi? Mais... les services spéciaux de l'armée étaient sur l'affaire avant vous. Avez-vous déjà vu MI5 collaborer avec l'amirauté ou même avec l'intelligence service? Jamais. Vous avez respecté la tradition. Je regrette cette comédie, inspecteur. Mais les cloisons de l'amirauté n'étaient pas assez étanches pour faire partager à ces messieurs le secret de mon identité. Harry! Harry! Il n'ira pas loin. Laissez! Ça met toujours 3 heures à chauffer ce truc-là. Mamie, un pantalon en pullover, vite. MI5, poste T. MI5, poste T. J'appelle la voiture 526. J'appelle la voiture 526. Ici le lieutenant Lightfeather. Terminé. Bonjour, lieutenant. Nous vous recevons parfaitement. Bonjour. Si vous n'avez pas bougé de place, vous devez apercevoir au bout de la rue le jeune Nicolas Sergeevich Melukhin, dit Compton. Le voyez-vous? Parfaitement, lieutenant. Il a l'air très agité. Très bien. Arrêtez-le, avancez votre tank jusqu'à la maison. Vous êtes moqué de moi. Vous m'avez trempé.
Oui, Harry, je vous ai trompé. Je vous ai trompé sur tout, sauf sur un point. Je vous aime. Je vous aime très, très, très fort. Et vous êtes le plus mauvais espion que j'ai jamais connu. Allez, venez. Après tout, vous êtes mon prisonnier. Present. Oh. Hold up. Oh. And that is. Thank you.